Les gars, salut les gars, j'espère que ça va. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, bah, que tout roule. On va dire que c'est pas facile, c'est pas facile. Donc en ce moment, forcément, je vais faire moins de vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses, la vie personnelle, quoi. Et du coup, juste avant de rendre les enceintes Sierre Galaxy 200 à mon ami Carlos, je voulais qu'on se fasse quand même une petite écoute, voilà, donc en mode avec les Mania Transpulse 1500. Et puis voilà, pour le fun. En tout cas, le gros problème, tu vois, c'est vraiment la pièce. Ça réverbère de partout, c'est assez chiant. Je te cache pas que ça me saoule parce qu'une fois que tu as goûté à la pièce du fond, bah voilà, tu sais, c'est beaucoup plus neutre en termes d'acoustique. Du coup, là, faut faire avec. Donc, faut essayer de gérer au mieux et de se faire une idée précise quand on écoute les enceintes ici, de se donner un autre avis en fait au niveau de l'esthétique sonore. Parce que vu que ça résonne, forcément, une enceinte qui va monter un peu haut, ça peut être dérangeant, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on va essayer de faire avec. En tout cas, de toujours vous donner un avis objectif, au plus objectif possible, avec bien évidemment les associations avec les amplis qui sont forcément un élément crucial. Donc voilà les gars, je suis essoufflé parce que ouais, j'ai pris ma douche, je me suis dépêché à installer tout ça, voilà, tout ça c'est un peu rapide et puis la petite famille va rentrer. Donc voilà, je me dépêche. Et je vais quand même vous montrer la pièce d'avant, comment elle est. Juste histoire de que vous ayez un petit aperçu. Tac. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Voilà, bon, tu vois, c'est mon salon, hein, comme d'hab. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ici, tu sais, il y avait là, ici, il y avait plein d'enceintes ici. Tu avais des enceintes ici. Voilà, c'était rempli d'enceintes. Et du coup, j'ai tout refoutu dans ma chambre. Donc forcément. La chambre nuptiale, bon je te montre vite fait, mais là où il y en avait partout aussi, il y en avait tout un stock là, plus le long du mur. Voilà, donc là, bon là juste pour dégager les enceintes, j'ai mis mes petites affaires là, et là t'as donc la pièce que tu connais d'avant qui est donc comme ça maintenant. Donc là tu te rappelles, hein, c'était la zone d'écoute avec les amplis que j'ai laissés à leur place, et là voilà, t'as les enceintes qui sont là donc, voilà avec un peu du bric-à-brac, comme on dit. Voilà. Donc, c'est pas. Ça m'embête un peu de voir ma pièce comme ça, je te cache pas. Parce que vraiment, j'avais pris goût. J'avais pris goût, j'avais fait vraiment toute l'installation bah, pour vous faire des vidéos le plus sympathiquement possible. Donc là, tu vois, les enceintes, elles sont vraiment collées. À savoir que j'en ai mis d'autres dans. J'ai mis 5 paires d'enceintes ailleurs. C'est-à-dire qu'elles sont dans un autre endroit. Parce que là, j'ai vraiment plus de place en fait. Vraiment plus de place du tout. Tiens, tu vois, il y a même Mina qui a trouvé sa petite place. Je lui ai mis des petits coussins, tu vois, allez au calme ici. Voilà, donc les enceintes, il y en a partout. Voilà les gars. Pareil, les enceintes à mon ami Carlos, qu'il faut que je lui rende. Enfin, quand il pourra venir. Hop, on a fait une petite écoute, j'ai fait quelques vidéos, tout ça. Donc voilà les amis, vous voyez un peu le délire. Voilà. Donc on va essayer de continuer les petites écoutes dans le salon. On va essayer de faire de temps en temps des vidéos, si possible. Parce que c'est vrai que c'est tout un changement. Donc là, pour faire mes switches, ce que je vais faire, c'est que je viendrai à l'ampli directement et tac, je basculerai, j'ajusterai le volume en fonction du rendement des enceintes et du niveau sonore. Donc voilà les gars. Voilà. Bon, je vais reposer ça vite fait. Clac. Ah oh, purée. Bon bah en tout cas bah, j'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que ça roule. Moi ici bah ça roule. ça roule, c'est un peu speed hein, parce qu'il y a la vie personnelle. Donc c'est vrai que ça m'embête vraiment de mettre de côté la Hi-Fi, mais j'ai pas trop le choix. C'est normal en même temps. Mais voilà, c'est parce que bah forcément mes abonnés, bah tu vois, j'ai envie de leur apporter du contenu, tout ça, enfin voilà, mais pour l'instant, voilà, je pense que ça va être en stand-by pendant un petit temps. Mais c'est vrai que c'est une vraie drogue, hein. Une fois que tu as pris le goût à faire, tu vois, des écoutes, tout ça, les vidéos. Moi, en fait, je kiffe faire ça, vraiment, c'est un plaisir de ouf. Donc voilà, les gars. Bon, bah allez, on va se faire les écoutes, on va se faire 2-3 écoutes, et après, je range tout ça dans la chambre. Et comme tu peux le voir, pour avoir accès à certaines enceintes là-bas, c'est un calvaire, faut tout enlever, tout ça. Déjà, pour tout ranger, concrètement, j'ai mis 2 jours. 2 jours pour tout ranger dans ma piole là-bas et les autres enceintes aussi que j'ai rangées, que j'ai remises ailleurs. Donc voilà, ça a été vachement de taf tout ça, mais ça m'embête de voir tout mon matos là-bas parce que
J'aime bien me servir du matériel, j'aime pas que ça reste là. Je suis collectionneur, mais je suis aussi quelqu'un qui aime bien utiliser son matos. Voilà, je vais pas être là à l'avoir beau et puis que ça serve pas. Pour moi, il faut que ça serve, c'est obligatoire. Donc voilà les gars, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, bonne reprise hein, du travail, tout ça, pour ceux qui ont eu des vacances. Il y en a qui n'en ont pas eu, tu vois. Donc forcément, c'est pareil, il y en aura plus tard, mais bon, ce qui compte, c'est d'être bien, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, la bonne santé, la famille, et puis voilà les gars. Allez, ciao, ciao, bisous à tous et prenez bien soin de vous. À bientôt.